Et yop tout le monde, c'est Trest99 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Skill PVP. Alors cet épisode 2, ce sera une compilation de pillages, du coup c'est des pillages qui datent du début de la version, donc qui datent de 10 jours environ. Vous avez déjà vu sûrement des pillages qui étaient sur la chaîne de Flows ou même de Ice, du coup ils sont assez anciens dans tous les cas. Voilà, j'ai décidé de vous mettre une petite compilation. Aussi je pense que très prochainement je vais faire une vidéo live sur Skill PVP pour donner mon avis sur cette version, car je pense qu'il y a beaucoup de points négatifs sur cette version et aussi des points positifs. Mais je pense que très prochainement on va faire un live du coup pour faire un constat de toute la version. Et bien sur ce les gars, je vous souhaite de très bons pillages. Attends, il est juste là en face. Là, vas-y, reste en sneak, je vois son pseudo. Fclaim 2. C'est bon, j'ai claim 2. Okay, nice. Oh là là, oui, d'accord. Ah oui, j'en ai plus rien à faire. Hein. Ah, ouais. Protection 4. Ouais, protection 4, en vrai. Vas-y, un go. Vas-y, bah, let's go. Hein. On prend. Et on l'attend, non? Ouais, on l'attend et on le kill, on ferme et on le kill. Il est là. Go. Vas-y, vas-y, vas-y. Bien joué, mec. Ok, c'est bon. Vas-y, il était full colza. Hein. Okay, vas-y, on ressort, on ressort, on sort. Bien joué, mec. Ah, la souffleuse! On attaque! Ah, il est là-bas! Il est là, je ne parle sans lui. Vas-y! Tu es un homme mort, mec. Vas-y, vas-y, vas-y! Tu es cet homme! Non, t'es passé devant ma perle! Allez hop! Au revoir, monsieur! Ah, oui, on peut, on peut. Hop! Oh, mais... de la stone, de la cobble! C'est super, dis donc, ce coffre! Oh, bah, c'est rond. Elle est là, il est là! Non! Non, attends, mais j'ai plein de creepers, mec, j'ai plein de creepers. Vas-y, vas-y, attends. Hop! C'est bon, go! Ouais! On peut faire claim. Ah oula, par contre je suis tombé dans la grotte. T'as juste à le tuer une fois et c'est bon. Non, merde, je suis bloqué. Est-ce que tu peux le tuer ou pas? Ouais. Il a son iPhone. C'est bon. Il a lu caca. Il a TP des alliés. Fuyons. Allez, je peux me cheat, je peux me cheat. Faut que tu m'aides, mec. Ouais, ouais, je t'aide. Oh non, Trest. Ah mais il est full Ah oui, d'accord. Bon, à deux, mec. Ah mais ouais, je suis pas non plus. Je prends un cheat. Putain, mais ça fait déjà en deux jours, on n'arrête pas de se fight hein. Vas-y, tape-le, tape-le, tape-le. Vas-y, on joue au ping-pong. Putain, mais c'est quand même insane sur deux jours que ça soit toujours le même délire. Oui, oui, vas-y, vas-y. Vite, 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 vite. Ah, dommage. Ah, let's go, let's go, let's go. Ouais, je suis un peu loin. Dommage, il y avait un petit timing où on pouvait le tuer. C'est un peu n'importe quoi quand même, hein, ce qu'on fait là. Let's go, let's go, let's go, allez, go. Ah, je nous ai heal à deux. Ouais, bien joué. Encore, encore, encore. Ouais, vas-y, vas-y. Dommage. Vraiment, tu peux le tuer? Dommage, oh, ça se joue à rien. Je reprends un joint. Après j'ai récupéré les perles donc en vrai je peux back si je veux. Ah par contre j'ai plus de merde. T'inquiète t'inquiète j'arrive. Essaye juste de tenir un petit peu. Vraiment ah, je peux pas là. Je suis dans des blocs, non je pouvais pas tenir, j'ai plus de heal. Sortons vite de ce trou. Il a tapé, casse-toi, casse-toi. Ah, ah je prends cher. C'est bon attends. Vas-y casse-toi, Enderpal si tu veux. Ouais j'ai Enderpal. Je prends pas shit hein. Attends c'est bon, tu l'as tué? Ouais c'est bon, je l'ai tué. Est-ce qu'on peut claim ou pas? Oui on peut enfin claim, voilà. Enfin on va récupérer un peu de champ. Est-ce que tu veux qu'on essaye de le trap? Je vais mourir. Blast, fuis. T'inquiète, t'inquiète, je l'ai. Non, il te suit, cours. Cours, je ramène iDreams, il y a iDreams qui vient. Je peux pas TP à son combat. C'est bon, j'ai plus TP à son combat. Vas-y, vas-y, j'ai ramené iDreams, c'est bon. Viens dans les clés. Ah, je prends grave cher. Mec, mon stuff, c'est de la merde. Let's go, let's go. C'est bon, j'ai... Allez, on... Alors, le 3v1, c'est pour la vengeance de la dernière fois. Descendez, les gars, descendez, go, go, go. Descendez. Il va mourir. Mais descendez, j'ai fait un trou. Mais... Oui, c'est bon, il vient sur moi, venez, vite, 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 j'ai pas beaucoup de vie. Passe de l'autre côté, Floz. Non. Mais non. Il veut ma main, mais mort. Les pires pilleurs de France. Les gars, temporisez, je récupère le colza. Il a plus des creepers? Je sais pas mec, moi je récupère du colza, tout ce que je sais. Ah moi aussi. Ah, mais bah, j'ai claim au pire endroit en fait moi. J'ai claim mais vraiment au pire. Hop, voilà, on aura notre petite farm. Voilà, un petit peu de colza. Ça fait plaisir. Là là, peu de colza. Par contre s'il vient, nous... ça va être creeper, hein. Ça va être creeper en bas. C'est en train de se fight comme jamais en bas. Ah ouais, moi je vois les deux se fight en bas. Cela ne nous regarde pas. Attends, je vais quand même aller l'aider. Ah si tu veux, hein, moi j'ai plus de stuff donc. Y'a un mec au-dessus? C'est toi ça? Non, c'est l'autre. Je l'ai mis en combat, Il est où? Ah. Casse-toi. Je vais essayer de t'aider. Vas-y. Il va me tuer par contre hein. Attends. T'as pas pomme shit? Non, meurs pas. Oui, j'ai pris pomme shit. Ok, bien joué. Et bien alors, mec! Allez, go! Mec, je suis juste un gladiateur, j'ai même pas de force, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je me barre, hein, je.
Et pareil, pareil. Le pire pillage de France. Bon. Alors, par contre, à mon avis. Bon, à mon avis bah, il y a un petit titan, ouais. Ouais, il y a un petit titan. Et le fer, ça me donnait de l'XP. Où est le titan, mec, par contre? Je sais pas où il est passé. T'es un petit drôle, t'es un rigolo. Oui. Allez, laisse-moi prendre ma weed. Bah voilà, je t'ai dit, hein, ça va pas être très long. Hein. Alors les gars, cette fois, je suis tout seul et du coup, je viens de trouver une base claim. Du coup, c'est la base de la Mantique. Du coup, il y a quelques petits coffres ici qui traînent. Donc, à mon avis, c'est pas une base très importante. Mais dans tous les cas, on va aller la piller. Vu que j'ai beaucoup de creepers, je pourrais y aller au creeper. Mais on va plutôt y aller à la TNT, car voilà, on va économiser un peu les creepers quand même. Je suis pas non plus encore blindé en creep. Et vu que la base est pas trop compliquée à attaquer, bah on va utiliser des TNT. Alors c'est bon, je me suis fait un petit accès. Maintenant, on va rentrer dedans vite fait. Normalement, ça devrait péter assez facilement. Hop, et voilà, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? À mon avis, il n'y a pas grand-chose en vrai, c'est juste une farm, je pense. Mais du coup, on va dégager tout ça. Un peu de blé qu'on pourra revendre, quelques ressources. Bon, voilà, c'est pas très intéressant. Quoique 36 graines de cannabis, ça c'est plutôt pas mal. Et le reste, pas grand-chose. Bah, comme vous le voyez, petite farm tranquillou. On va faire péter vite fait le reste des coffres, et après, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose d'autre. Et c'est parti pour la deuxième TNT. Voilà, parfait. Ah, là par contre, c'est un peu mieux. J'ai l'impression qu'il y avait des underperles. Ça, ça m'intéresse. Ticket de marchand, on peut le garder, même si c'est pas très intéressant. La cobble et ça, on va dégager. Malheureusement, c'est des fake perles, ça m'intéresse pas. Bon, c'est pas non plus un bon pillage, mais c'est pas très grave, on va quand même récupérer tout ça. Il y a quelques graines de colza, toujours utile. Châtiment 3, je m'en fous. Par contre, ah, attendez, ça c'est les orbes de power qu'on pourrait récupérer en vrai. Alors, du coup, on a récupéré un peu de feuilles de cannabis, au moins on pourra faire un peu plus de joints pour chercher des pillages. La redstone, je m'en fous un peu, mais on peut toujours la garder. Ici, une petite épée T2, c'est toujours ça. Premier détenteur, T-Wheel. Du coup, la base doit appartenir à T-Wheel, je pense. T4 en livre aussi, pas mal. Le reste m'intéresse pas, peut-être à part les alambics. En dessous, j'ai l'impression qu'il y a une autre farm. Est-ce qu'il y a des coffres ici? J'ai pas l'impression. Je vais juste prendre une potion de Basefinder, mais s'il y a rien d'autre, eh bien, on va aller voir ailleurs. Alors, 2 minutes plus tard, les gars, regardez au-dessus, je viens de trouver encore une base unclaim. Du coup, c'est tellement simple de trouver des pièges avec le bug F5 sur skill, vraiment. Du coup, on va remonter vite fait pour voir ce qu'il y a dedans. À mon avis, c'est pas non plus une base blindée vu qu'il n'y a pas de coffre modé, mais on sait jamais, s'il peut y avoir un peu de stuff, c'est toujours ça de près. Alors, c'est bon, je suis enfin arrivé à la base. Du coup, on va voir ce qu'il y a dans les coffres et c'est plutôt pas mal en vrai. Déjà, juste un kit explosif. Quelques ressources, bon, des fake perles, on s'en fout. Les ingrédients à potions qu'on va récupérer dès maintenant, ça peut toujours être utile. Hop, on va récupérer tout ça. Par contre, j'espère juste que le mec est pas connecté. Dans les fours, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici? Voilà, un peu de Senna. Un petit Tita, pas mal. Et de l'urite, on va mettre ça dans le sévite fait. En plus, ça me fait un peu d'XP de mineur. Et à côté, ok, bon, pas mal de kit chimiste, ça c'est cool. Bon, c'est plutôt pas mal. Grosse erreur du mec, il a mis des fours dans sa base, du coup, c'était ultra facile à voir. Du coup, je vais vite fait faire un aller-retour et on va récupérer le reste. Et voilà, normalement, j'ai récupéré tout ce que je voulais. Je vais prendre les petits gâteaux, c'est toujours ça de prix. Le reste, ça m'intéresse pas. Normalement, de ce que j'ai vu, il n'y a pas d'autres coffres. On va juste récupérer quelques ingrédients et voilà, on va stopper ce pillage là. Je vais encore chercher un petit peu et je pense qu'on peut trouver encore des bases plus intéressantes. C'est bon, c'est à nous, frère. C'était quoi, Choco, Choco là? Pas une Enterprise, pas une. Ouais, quel pire non plus, ça va. Oh, oh. Full arc, truc. Full flèche, cacao. Full flèche, oh, pas une Under, pas une Under, pour nous. Attends, Price. Attends, attends. Aïe! Non, voilà, il y va, non, voilà, Price. Vous avez besoin des flèches? Il a pris. Ouf. Oh là là. C'est quoi? Attends, mais vous mettez il pas d'où, frère? La farine, la farine, la farine. Non, les mecs, ils veulent tous. Allez, les gars. Dépêchez-vous, je laisse pas passer les deux là. Oh. Hey, vas-y, vas-y, je suis sorti. On peut respirer tout seul. Ah, mec, il y a de la farine là. Attends, mais t'es jamais resté aussi tard, mec. Ah, d'accord, ça a mis creeper aquatique, il y a même plus de respect. Les livres, ils étaient bien. Putain, les gars, je progresserai jamais. Il a pété le coffre, il a pété, il a pété. Oh, mec, il y a tellement de caca. Ah, oui, il y a plein de chars putréfiés. Si on fait péter ici, on est con. On le fait alors. Oui, on l'est. On est con. On est con, nous. Ils nous avaient mis pareil pour l'opti. Voilà. Alors, il y a de l'Opsy, des orbes de power. On y met le budget, messieurs. Allez. J'ai envie de crever d'avoir pété ce coffre. Waouh. Allez, on se baigne. On se baigne dans la merde. Oui, c'est le truc qui me paraît bien. Sur le DV, Creeper. Allez, Creeper à 650. Fermé. Putain, il me perturbe trop ce coffre. Putain, tout ça pour des patates. Faites les fours, j'ai laissé mes métés. Vas-y, vas-y, je le crois, les gars. Du coup, tu utilises un Creeper? J'en ai plus. Mais tu sais que tu peux faire slash HDV et taper Creeper. Ah bon? Ouais. C'est quoi, c'est moi qui vais le faire? Creeper. Bah, Maxi, comment Maxi ça s'écrit? Petit creeper. Malfi, y'a du spawn. Ouais, je sais. Les gars, c'est le four maudit. Si personne le fait péter, vous allez vous faire pied. Ah, c'est le. Attends, y'a eu un bug. Faut aller pour les autres. Par contre, les gars, on en parle, les deux coffres en Space Opsy ici qui sont perdus aussi. Y'a quoi? Ah!
Y'a rien. Les Unders, les... Bon, viens voir après, comment on pisse celui-là. Et comment on pisse ça là? Attends, j'arrive, j'arrive, attends, attends. Yahoo! Ça fait tellement rien. Mais là, y'a pas un coffre là? Non, ma fille. Descendez, descendez, descendez. Attends, mais y'avait du Tita! Qui a pris le Tita? Y'avait combien? Y'en a 8. Bah, allez, 8? Tiens, fait... 8, ça fait beaucoup. Péter, hein. Oh, merci. Et tous les sauts de lait, je veux tous les voir dans le sachet. En vrai, Malfi, je te fais un échange. Je te passe le Tita contre tous tes creepers. Oui, bah tiens, j'ai deux stacks de Tita presque, c'est bon. Bon, j'espère que cette petite compilation de pillage vous aura plu. Du coup, là, pour terminer l'épisode, je vais juste vous montrer tout ce qu'on a récupéré en pillage tous ces derniers temps, hein, parce que du coup, ça fait quand même là 2 semaines que le serveur est ouvert, et du coup, on a récupéré pas mal de choses. Du coup, là, je suis dans une des bases de Kairos avec beaucoup de ressources qu'on a pillées. Du coup, je tiens à le préciser, sur ma chaîne secondaire, il y a quasi du daily upload en ce moment. Là, ça s'est un peu calmé, mais il y a déjà une dizaine de vidéos sur skill 100% pillage. Du coup, si vous adorez le pillage, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne secondaire. Et aussi, si vous voulez voir les pillages en live, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch, tout est dans la description. Mais du coup voilà tout ce qu'on a récupéré ces derniers temps en termes de pillage et tout, c'est un peu abusé, ma team de pillage aussi a beaucoup pillé, du coup on a pas mal de ressources. Au total je dois avoir 3 bases pour tout stocker parce que niveau stuff c'est n'importe quoi vraiment sur skill. Je vous conseille de que piller et que revendre, et c'est aussi un bon point et un mauvais point. Dans tous les cas, comme j'ai dit en début d'épisode, je vous expliquerai lors d'une vidéo live ce qui va et ce qui va pas sur skill PVP. Mais du coup niveau stuff ici c'est un peu la base rangée, du coup il y a quelques ressources, un peu de potions de heal, mais ça commence à se vider hein, parce qu'on revend tout dans la faction. Du coup voilà, il me reste quelques bouquins, quelques stuff ici, il reste des bouquins et tout pour me faire du P4. Et la dernière base du coup c'est ma base live un peu bordélique où il reste aussi pas mal de stuff, où je vais devoir revendre encore plein de trucs pour me faire de la monnaie. Alors actuellement je suis à 216 000 $, enfin oui 216 000 $, et du coup voilà je vais revendre encore pas mal d'items. Mais du coup voilà, au total j'ai 3 bases sur skill PVP pour pouvoir tout stocker parce qu'on se fait piller beaucoup trop rapidement, même si là toutes ces bases là ont tenu pas mal de temps pour le moment et j'espère que ça va durer encore longtemps. Bon du coup voilà, on va arrêter cet épisode là. S'il vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire. La prochaine vidéo sur skill PVP sera sûrement une vidéo où je vais donner mon avis sur la version. Ce sera une vidéo live normalement, du coup une vidéo qui durera entre 30 et 40 minutes et qui sera en live du coup sur ma chaîne YouTube. Et bien sur ce les gars, je vous dis à la prochaine sur Skill PVP. Allez, bye bye.